C'est la ISS. Ça vous fait penser à quoi? Exactement à rien. Rien? Non. Ouais, peut-être la fête. La boum, la fête. Et vous, monsieur? Bon, moi, c'est pour boire un coup. Hein. T'as de la spécifique à la région, je pense, mais n'étant pas du coin. Je saurais pas en dire plus non plus. Pourtant, j'ai un certain âge, j'ai déjà eu beaucoup d'histoires dans ma vie, enfin, façon de parler, mais sur ce domaine, je ne vois pas. En somme, j'ai tout en tête, mais je n'ai pas de mots pour vous le. La S, c'est quoi? C'est une expression jeune. Bah, on est jeune, on s'est vu alors. Ouais. Jamais entendu. Je suis plutôt dans l'âge bien contraire que jeune, et alors, je ne suis pas beaucoup avec les jeunes, alors leur expression. Je ne les connais pas. C'est la dèche, peut-être. Moi, je dirais c'est la merde. Moi, je dirais c'est le caca. Et du coup, vous pourriez l'utiliser quand, cette expression? Pour les fins du mois, souvent, les gens utilisent ça. Déjà, niveau boulot, mais bon, après, c'est un peu comme tout le monde, je pense. Hein. Mais quand je vois les pauvres et dans les pays étrangers qui n'ont pas à boire ni d'eau, rien du tout, les SDF qu'on a vus, qui sont là en train de dormir dehors, les familles qui n'ont presque rien pour vivre. Quand on a un déboire, hein, quand on a une peine ou quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit « oh, c'est la merde okay, ». Oui, ça peut arriver souvent, ça, oui. Mais alors, vous pourriez l'utiliser? Oui, et je pourrais, oui. Ben, actuellement, j'ai ma petite amie qui me laisse tomber. Alors là, je dirais ça la S. Oh, j'ai été malade. Ah, oh, ben voilà. C'est la S. Ça va, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci, madame.